Allô tout le monde, bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis encore en pyjama, puis avec ma petite toque, puis cernée. Je suis pas préparée encore. Alex est parti au gym avec Charlie, fait que moi j'en profitais pour ramasser la maison qui est en gros bordel. Fouillez-moi pourquoi, là. Je sais pas pourquoi c'était autant bordelier. Il y a ma cuisine, il faut que je ramasse comme tout le temps. Mais la maison était vraiment à l'envers. Seigneur, en tout cas. J'ai ramassé ça, puis ça, je suis rendue au salon à ma vaisselle, puis après je vais me préparer. Elliot, lui, est là, il écoute des vidéos sur l'ordinateur parce que demain, ils s'en vont jouer au parc arc-en-ciel. Fait qu'écoute, c'est un gros module de jeu, là. Un peu comme. Je vous l'ai dit hier. Fait que là, il voulait regarder des vidéos, voir. Pour voir des amis jouer, là. Ouais, il y a ça la garderie. Ok. Fait que c'est ça, là. Ok, une trampoline. Fait que c'est ça. Là, ouais, à la garderie. Tu veux plus à la garderie? Ça te tente pas. Ça te tente pas, ok. Bon. Fait que. Je t'ai rendu où, là? Ouais. Tantôt. Ok. Bye. Tantôt, bye. Qu'est-ce que je disais? En tout cas, j'ai plus de. Fait que là, c'est ça. Ok, Elliot, s'il te plaît. Il veut plus que je vous parle. Ok, mais là, je vais parler à mes amis, puis après, je vais aller te voir. Ok. Fait que là, c'est ça. Alex puis moi, hier soir, on parlait de ça. Parce qu'il faut que je prenne une décision à savoir si j'arrête le gym ou si je continue. Parce que mon abonnement est dû pour être renouvelé dans les prochaines semaines. Ça fait déjà une couple de semaines. Enfin, depuis qu'Eliott va plus à la garderie, que j'ai. Non, je suis retournée au gym par après une couple de fois, je pense. En tout cas. Mais depuis. Ce qui arrive, c'est que depuis qu'il va plus à la garderie, il faut que j'aille m'entraîner le soir. Puis je déteste ça, m'entraîner le soir. Pour vrai, il n'y a pas de mots pour dire comment j'haïs ça. Surtout que là, il commence à faire froid. Vous faire le souper, ramasser puis tout, puis après ça, on allait au gym, faire chauffer l'auto pour aller au gym. On allait là à 15 minutes, faire mon entraînement, partir l'auto, revenir le soir. Pour vrai, moi, le soir, je suis crevée. Là, je sais pas comment faire pour vous entraîner le soir, honnêtement. Je suis morte. Tu sais, avant, ça allait bien le matin, là, quand il était à la garderie, j'avais porté. Je partais avec ma mère, je revenais, c'était fait, là, puis j'avais pu m'en occuper. Mais là, c'est ça. Il n'y a plus de garderie. Fait que faut jouer avec le fait qu'Eliott est avec moi. Donc, probablement. Ça me fait de la peine d'arrêter pour moi parce que j'aimais ça. Mais probablement qu'on va arrêter ça. Là, je paye dans le vide. C'est vraiment ça que je fais. Quoi? Va te chercher des jouets. Parce que là, je paye dans le vide. C'est plat. J'entends. Fait que ce que je vais faire, parce qu'on a vraiment à cœur, Alex et moi, de. Ben, Alex, il va s'entraîner 3 fois par semaine, même des fois plus. Mais là, on veut vraiment, 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 vraiment prendre ça au sérieux en 2018. Je sais, il y a plein de monde qui se donne cette résolution-là. Mais je veux absolument recommencer à prendre soin de moi. Je sais pas pourquoi, depuis la dernière année, dans la dernière année, ça a été difficile. Je me levais un matin et me disais, OK, là, je repars ça. Puis je fais attention, puis ça durait 2-3 jours, puis après ça, je redérapais. C'est sûr, c'est pas des grosses dérapes, mais déjà le fait de ne plus faire d'exercice, ben ça paraît vite. Puis aussi le fait de manger moins de légumes, moins de fruits, ça paraît aussi parce que pendant un bout, là, je faisais tellement attention à ce que je mangeais, puis tu sais. Ben je me permettais plein d'affaires, mais c'était tout le temps raisonnable. Mais là, depuis quelques semaines, quelques mois même, je sais pas ce qui arrive, là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je comprends pas. Fait que là, j'étais en train de me reprogrammer dans ma tête. Ouais, c'est ça, c'est bon. Reprogrammer, je suis en train de tout replacer ça dans ma tête. Les priorités, puis comment y arriver. Parce que moi, les enfants, c'est deux bouches fines. Puis c'est ça, je disais, quand même, je trouve ça compliqué de voir tout le temps cuisiner deux repas, puis tout. Puis, c'est dans le fond, combien que t'as pas la tête, là? S'ils mangent, ils mangent. S'ils mangent pas, ils mangent pas. Puis je leur ferai comme de quoi sur le slide, puis éventuellement, ils vont se mettre à manger. Là, je veux dire, quand j'étais petite, mon frère et moi, on se nourrissait de ballonnés parce qu'on voulait rien d'autre. C'est juste pour vous dire. Puis garder aujourd'hui, je suis pas difficile avec mon frère non plus. On mange tout, tout, tout. Mais je pense qu'ils ne laisseront pas mourir de faim non plus. Là, faut que. Puis c'est bien pour eux aussi. Donc, tu sais, je les nourris bien, là. Mais tu sais, je pense que je pourrais intégrer encore plus de bonnes choses dans leur alimentation. Puis ça va juste faire du bien à eux, puis ça va nous aider, nous aussi. Mais c'est ça, là, j'étais tellement bien partie, puis je faisais du meal prep, puis tout, puis tu sais, je portionnais mes affaires, puis... Mais là, ça va se replacer. 2018, pour vrai, je veux faire attention à moi. Je le fais pour moi, je vais le faire pour ma famille aussi, pour péter le feu, puis être full en forme. Mais c'est ça, fait que... J'espère que vous allez être avec moi, ça va m'encourager, j'ai vraiment besoin d'aide. Non, mais c'est ça. Puis, fait que dans le fond, j'ai décidé d'arrêter le gym, puis de recommencer à m'entraîner à la maison.
ça fonctionnait super bien, l'entraînement à la maison pour moi avant, mais j'ai eu besoin de changement, puis ça faisait du bien de changer mes affaires, d'aller sur des machines. Mais là, je pense que je n'ai assez appris pour être capable de me réentraîner à la maison. Il faudrait que je trouve des nouveaux exercices, un nouveau plan de match, puis ça devrait bien fonctionner. Je vais travailler là-dessus dans les prochaines semaines pour pouvoir commencer en force en janvier. C'est ça, là. Fait que je vais faire ça, je vais faire un plan de match, puis là, je vais donner les dernières semaines de décembre avec un petit peu de lousse, vu que ça va être plus compliqué avec les sprints de Noël puis tout, mais tu sais, janvier, là, on recommence ça sur des bonnes bases. Ouais. Fait que c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Je voulais mettre ça au clair parce que quelqu'un qui me demandait l'autre fois justement j'allais encore au gym. J'étais oui, mais en tout cas, là au moins tout le monde est au courant. Le gym va s'arrêter là, puis je vous montrerai un peu qu'est-ce que je vais faire comme entraînement à la maison, puis on fera ça ensemble. Et c'est ça, là aujourd'hui on s'en va chez ma grand-mère. On va aller la voir, c'est pas tant qu'on n'a pas été au foyer. Elle habite dans un gros foyer pour faire son manger, donc on va aller là avec les enfants, avec mes parents. Puis après ça, je sais pas trop, j'ai aucun planning, on va y aller comme ça viendra. Fait que là-dessus, je vais faire un même SCL, puis je vais aller me préparer, on va se parler plus tard. Bonne journée! Bon, avant de me préparer, on va ouvrir les calendriers. Fait que là, je pense qu'on est dû pour un... Wow! Ah, ben regardez, lui, il est sorti du lot. Oh, pas long, Elliot. Hé là là! C'est quoi ça? Ah, un thé? Thé vert, Sancha et Jasmin. Ah, oh. OK. Cool. Un thé. On va laisser la petite boîte là. Allô, Abby! Là, on est le 9. Ah, là, j'ai pas bu le thé d'hier. Ah, je suis un petit peu en retard. 9. Noix magique! Oh oui! Je vais l'emmener. Je vais me faire ça. Aujourd'hui, tantôt là, après m'avoir préparé, go! Bon, fait que là, je me suis maquillée, je venais me peigner, puis là, je croyais que ça me piquait dans le fond de la tête. Parce que hier, j'ai pris le shampoing à Alex, parce que moi, il m'en restait plus. Puis Alex, c'est pas très compliqué sur le shampoing, fait qu'en tout cas, je me suis dit, pour une fois, je vais prendre le sien, puis je vais m'en acheter aujourd'hui. Là, je vous jure, j'ai le fond de tête vraiment fragile puis sensible, hein, puis là... J'ai la peau toute sec, c'est tout plein de graines blanches, de plaques blanches. Ben, de plaques blanches, on s'entend, là, mais c'est tout sec. Je capote ma vie, là, ça me gratte. Puis c'est laid, on dirait que j'ai la tête remplie de pellicules, là. C'est trop, c'est pas assez hydratant, là, comme shampoing, vraiment pas. Là, je vais essayer de me peigner puis de me camoufler ça un peu, là. Puis je vais aller à la pharmacie tantôt m'en acheter un autre, là, parce que sérieusement, ça n'a même pas de sens, là. Je peux pas... C'est pour ça que je me lave les cheveux à tous les jours. Il y en a qui se lavent les cheveux très, très régulièrement. Moi, je les lave deux fois par semaine, gros max, parce que sinon, j'ai la fond de tête qui me pique. Là, c'est ça, les enfants sont dans le bain. Il est 11h moins quart, fait que je vais ramasser ma vaisselle. Je vais la faire, ben, je vais l'essuyer, celle qui n'est pas complètement séchée. Je suis en train de faire le thé, c'est noix magique. Hey, regardez pas mon lit. Je vais faire mon thé, noix magique. Puis Posina va comme manger plein de restants d'hier. Il reste un sous-marin, il reste du spaghetti. Il reste deux points de pizza qu'on a mangé qui était vraiment bonne en passant. Là. Gouda et chèvre. Il reste ça. On a aussi la soupe du Costco que j'ai pas fait congeler encore. Fait qu'on va manger des restants. Puis j'ai pas rejoint mon père encore. Fait que je sais pas à quelle heure qu'on va partir cet après-midi. Mais d'après moi, partir vers 1h30, 2h peut-être. Fait que c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Fait que on va se parler plus tard. Allô tout le monde, il est rendu 7h15, 7h, je sais plus, en tout cas, pas loin de 7h. On vient de revenir, on est revenu beaucoup plus tard que prévu. Dans le fond, on est allé chez ma grand-mère jusqu'à 4h, 4h30. C'était vraiment le fun, on a passé une super belle après-midi. Je suis contente parce que j'avais peur qu'il y ait de filles. Je sais que ce temps-ci, il est très gêné, là, puis j'avais peur comme qu'il bloque, mais bon, il était super fin avec ma grand-mère. Il a joué aux autos avec elle, puis c'est vraiment le fun. Puis ma grand-mère, elle a un ami, son petit ami, elle habite dans le même foyer qu'elle, mais pas dans la même chambre, fait qu'ils sont allés le chercher. Puis il est revenu main dans la main avec Elliot. Je trouve ça vraiment cute.
Fait que c'est ça, on allait se promener, puis j'ai resté avec ma mère dans la chambre, jaser. Mes parents et ma grand-mère allaient souper chez ma marraine, avec mon oncle, ma tante, mon oncle. Fait que là, ils nous ont invités à venir prendre une coupe de vin ou une bière. En tout cas, prendre un petit verre avec eux. Puis en même temps, ben, on a grignoté parce que ben, ma tante a fait une petite sortie de ses entrées puis ses petits bouchées. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, on n'a pas faim. Là. Il est 7h qu'on n'a pas faim. Puis ça a un peu tout changé mes plans parce que j'étais censée cuisiner mes pâtes au poulet finalement. Je cuisinerai pas rendu à cette heure-là. Les enfants, j'aurais fait une petite sandwich vite parce que, anyway, ils ont grignoté pas mal chez ma tante puis ils ont grignoté pas mal chez ma grand-mère aujourd'hui. Fait que c'est ça. Mais c'était vraiment cool, là. Ouais, on a vraiment beaucoup jasé chez ma Marianne. Puis ça donne juste le goût au jour de l'an parce que c'est au jour de l'an que je vais tout voir ce beau monde-là. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. Puis Elia était pas gênée avec ma tante. Fait que c'était vraiment le fun. C'est ça, ils voulaient me garder pour souper. Mais j'ai décidé de partir parce que, premièrement, à la base, on n'était pas invité. Fait que je me sentais un petit peu mal d'arriver comme cap et de rester. Puis, deuxièmement, aussi, Elliot n'était pas dormi aujourd'hui. Puis, tu le voyais qu'il était de bonne humeur, mais il était toujours comme à un cheveu de peut-être exploser. Vous savez, les mamans, on ne sait jamais qu'un enfant, quand ils n'ont pas dormi, quand ils sont fatigués. Moi, Elliot, quand les deux fils se touchent, il n'y a plus de chance, puis c'est fini. Fait que j'aimais mieux partir. Puis, bien finir ça. Puis, au pire, on va se reprendre aujourd'hui. Là. Mais, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Là, les enfants devraient se coucher bientôt parce que demain, ils ont une grosse avant-midi. Ils s'en vont au parc en ciel. Fait que je veux pas qu'ils se couchent trop tard. De toute façon, il a pas dormi. Fait qu'il devrait pas être dur à coucher. Nous, étant donné que j'ai pas de. Ben, j'ai pas fait de souper. On a des restables, ça me tente pas. On va probablement commander quelque chose. J'hésite entre une poutine thaï ou une lasagne. Je vais y réfléchir et je vais revenir avec mon choix final. Mais pour le moment, je vais me démaquiller un peu. Je vais aller prendre ma douche tout de suite. Puis là, on sent la cigarette. J'ai pas été m'acheter mon shampoing. Merde, j'avais dû me laver les cheveux. J'ai oublié la pharmacie. Ouais, parce que chez la marraine fume, son chum fume. Fait que. On sent la cigarette. C'est ça. Et on va faire attention. Puis je suis de la femme pour les non-fumeurs. On sent pareil. Anyway, garde la vie. C'est ça, je vais me laver, me démaquiller, on va coucher les enfants, puis après je vous dirai ce qu'on a décidé de se commander. Faut que je fasse le montage du vlog d'hier. Hey, je suis vraiment en retard. Seigneur, je suis bien en retard. Je suis pas fière de moi, là, pour vrai. Je vais me rattraper, promis. Bon, fait qu'on se parle tantôt. Salut! Bon, ben, il est 8h30 pour le finalement décider ce qu'on allait manger. On va de la poutine. Aïe, de chez lui. Le lasagne, ça aurait été bon, mais en rendant cette heure, je vais de la durée de gérer, je suis sûre. Fait que là-dessus, moi, je vais bonne soirée, on va se parler demain. Et je dis bonne nuit. Et que ça vient.